salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Donc comme tu peux voir, c'est bon, j'ai pas perdu ma voix, j'arrive à parler. Bon, la vidéo du jour, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous. En fait, j'ai un collègue qui m'a envoyé une vidéo et il lui est arrivé un truc de ouf, un truc de ouf, et franchement un truc qui arriverait à n'importe quel qui peut arriver à n'importe quel chauffeur. Et sincèrement, si ça t'arrive à toi, tu pètes un câble, tu pètes un câble, je crois le gars tu le tues, tu vois. Bref, je vais pas trop en dire, mais en tout cas il lui est arrivé une dinguerie. Il a filmé, malheureusement il était 3h du matin, il était dans le noir total. Tu vois pas grand chose, mais c'est bon, il y a l'audio. Donc je te le mets après. Et il m'a envoyé aussi un message où il m'explique à peu près ce qui lui est arrivé. Donc je vous mettrai le message durant le message, la vidéo qui n'a pas de vidéo. Tu vois, en fait, tu vois rien. Donc je vous mettrai le message. Voilà, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo si tu veux savoir de quoi il en est. Et franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade qui lui est arrivé. Ah, moi, le gars, je crois que je l'aurais tué. Vraiment, je l'aurais tué. Eh bon. Voilà. Bref. Bon, en tout cas, comme vous pouvez voir, les autres vidéos, j'ai pas perdu la voix, tu vois. C'est juste que, voilà, j'avais pas grand-chose à vous raconter. Et j'avais pas très envie. Après, voilà, je sais qu'il vous faut du contenu. Et il y a des moments où vraiment j'ai pas la tête à ça, tu vois. Bon, là par contre, je sais que vous avez apprécié les anecdotes. Donc là, ben voilà, vous aurez une bonne anecdote. Et celle-là, elle est bien salée, tu vois. Elle est vraiment bien salée. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Bon, là, je viens de charger un client. J'avais rendez-vous ce matin. J'ai dormi sur place. Et là, je suis à l'aéroport de Strasbourg, à Entzheim. En fait, le client, il est accolé à l'aéroport. Ben, j'ai bien dormi. C'était cool. Il faisait frais. Voilà, au calme, malgré l'aéroport. Là, c'est pas des avions de chasse qui décollent. Hein. C'est des avions de tourisme. Enfin, des avions de ligne. Donc franchement, j'ai rien entendu, tu vois, rien du tout. Ah, ils sont bien calmes, les avions. Et là, ben, c'est direction 1742. Ben, je vais essayer d'y être ce soir. Je puisse récupérer aussi directement ce soir. De toute façon, le truc qui est bien, ben, j'ai pas utilisé mes 10 heures de conduite aujourd'hui, ben, cette semaine. On est mercredi. J'ai pas encore utilisé de 10e heure. Donc, tu vois, il me reste encore 2 fois 10 heures. Et là, c'est le deuxième tour que je fais de la semaine. Donc, là, je pense que c'est le dernier. Ben, j'espère. Hein. Ben normalement, oui, ils vont pas me faire remonter le vendredi. De toute façon, je le prends pas, tu vois. Franchement, s'ils m'appellent, ils me disent ouais, vendredi, faut remonter, tu refais un tour. Non, je ne veux pas. Il y a un abonné là qui m'avait demandé c'est quoi ce Komodo. Ben, en fait, je t'explique, c'est un ralentisseur. Tu vois, là comme là, quand j'ai ralenti là en arrivant là sur le virage, j'ai pas touché la pédale de frein du tout. Je me suis servi que du ralentisseur. Et Scania a de très très bons ralentisseurs. Malgré l'âge de la vieille Bate, elle a un très très bon ralentisseur. Bon, après, attention, hein. Ben, j'ai que 5 tonnes de chargement.
donc pour ainsi dire rien. Ça va, c'est cool. J'étais à la douane, j'ai fait ma douane, sincèrement. J'en fais pas mal des douanes, tu vois. En fait, quand je parle de douane, c'est pour dédouaner la marchandise, tu vois. C'est pour avoir l'autorisation de circuler avec ta marchandise. Et sincèrement, Ensign, aéroport de Ensign, tu as plusieurs sociétés qui ont plusieurs. Qui ont, ben chaque société, pardon. Ils ont des bureaux de douane. On va passer par là, après là. De toute façon, j'ai pas le droit de traverser Strasbourg. Enfin, de faire du transit à Strasbourg. Bref. Tu as plein de sociétés. Et toutes ces sociétés ont des bureaux de douane. Pour dédouaner ta marchandise. Pas tout. Pour faire la douane sur la marchandise, l'autorisation de quitter le territoire. Voilà. Ou bien dans le sens inverse, l'autorisation de dédouaner la marchandise, l'autorisation d'ouvrir le conteneur. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Et en fait, dans toutes les sociétés où j'ai été, moi je suis bien accueilli. Franchement, dans les douanes, en règle générale, tu es bien accueilli, tu vois. Dans la plupart des cas, c'est des femmes qui sont dans les bureaux. Elles font pas un métier physique. Mais bon, après, des fois, ça peut être compliqué. Surtout avec les chauffeurs qui ne parlent pas français, ni anglais, ni allemand. Et automatiquement, vu que les meufs travaillent dans des bureaux de douane, ils ont souvent affaire à des étrangers. Et là, quand on dit étranger, ben, faut parler en anglais, tu vois. On parle en anglais. Généralement, c'est l'anglais, la langue internationale. Et ben, elles, quand elles ont affaire à des chauffeurs qui parlent ni anglais, ni allemand, ni français, ou ni quoi que ce soit d'autre, tu vois, ils parlent que leur langue natale, tu vois, c'est compliqué. Franchement, c'est super compliqué. Donc, alors, généralement, quand tu arrives et tu parles en français, même quand tu baragouines en anglais, tu vois, ça passe crème. Mais là, sincèrement, les douanes de Ensign, pour moi, c'est les meilleures. Je vous jure. J'ai déjà fait 3 bureaux de douane depuis que je fais ce boulot. Ici, hein, à Ensign. 3 bureaux de douane différents. Sincèrement, l'accueil, magnifique, les amis. Magnifique, je vous promets. Magnifique, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ils sont trop gentils, ils sont adorables, vraiment. Et là, tu vois, quand je suis arrivé, ils m'avaient dit oui, le temps que vous chargez, le temps qu'on vous charge, la douane sera prête. Je suis arrivé, enfin, on m'a chargé, j'ai fermé mes portes, j'ai posé mon plomb, tac tac, je suis retourné au bureau. Ma meuf m'a dit, ah, écoutez monsieur, je suis vraiment désolé, mais vraiment désolé. On n'a pas pu, la douane n'est pas encore prête. Mais attendez, on vous offre le café. Ouais, je vous jure, ils m'ont fait un café, mais un vrai café. Hein. C'est pas un café de schlag, là, tu vois, machine à café. Non, non, c'est un vrai café. Très, très bon. Donc, super gentil, merci. Après, c'est pas juste pour le café, tu vois. Mais voilà, c'est l'accueil. Grosso merdo, l'accueil qu'ils m'ont fait, voilà. Magnifique, franchement magnifique. Et il n'y a pas que les femmes, hein. Il y a aussi deux ou trois bonhommes là qui sont dedans. Sérieux, la classe. Là, on arrive à la frontière et on va faire ensemble le changement de pays. Ça, il me semble pas qu'on l'avait déjà fait. Mais bon, aujourd'hui tu es obligé de le faire, vraiment. Là, c'est déjà blindé, quoi. Et 13h, c'est déjà rempli. Là, quand tu fais un passage frontière, ben, tu es obligé de changer, de mettre le pays dans le taquis. Voilà, on va faire ça vite fait ensemble, tranquille. Ici, voilà. Il est éclaté, le parking.
Ah, je... Voilà, elle est ailleurs là. Mais franchement, il est éclaté le parking. Ah, là, ici, c'est bien. Vous avez tout de suite la sortie. On n'a pas besoin de couper le moteur. De toute façon, on va décoller directement. Bon, voilà. Comme tu peux voir, hein, le parking, est, enfin, là, là où il y a le camion là, qui sort, là, tu es en Belgique. Enfin, c'est au milieu. On va dire que c'est au milieu. Bon. Alors. Il faut que je trouve une bonne position. Oh, donc voilà. Bon, pour ce faire, tu appuies sur OK. Là, tu es imprimé. Ensuite, tu fais défiler dans le menu, tu vois, jusqu'à lieu. Ah, bah, tu y es direct. OK. Lieu de départ. Voilà, lieu de départ. OK. Et là, France, tu fais défiler. Et la Belgique. Ensuite, là, tu choisis le pays où tu rentres, tu vois. Donc, changement enregistré. OK. Flèche en arrière pour revenir. Et voilà. Tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Tu es obligé de le faire aujourd'hui. Franchement, tu es obligé. Tu peux prendre une amende pour si peu, tu vois. Donc, t'as pas le choix. Bon, allez, les amis, moi, je vous récupère. On se retrouve tout de suite sur la route. C'est l'histoire d'une minute. Hein. Et logiquement, à chaque passage frontière, t'as un endroit où tu peux te poser avec ton camion, tu vois. Personne. Okay, c'est... Et j'avais discuté avec un Belge qui m'avait dit qu'un de ses collègues, pourtant elle n'était pas encore en vigueur la loi, mais un de ses collègues roulait en Allemagne et il n'avait pas fait le changement de pays, 135 euros. Tu vois, 135 euros, franchement, ça fait mal, tu vois. C'est une journée de travail foutue en l'air. Donc voilà, ça coûte rien, ça coûte une minute et mieux vaut le faire, franchement mieux vaut le faire. Donc, willkommen, bienvenue en Wallonie. Ah, j'aime la Wallonie. Bon, les routes un peu éclatées hein, en Wallonie. Ce que je viens de dire. Après, il faut slalomer, il faut essayer d'éviter les trous. Bon, moi, je suis à 250 km de ma destination. Bon, ça va bouchonner, je sais que ben, voilà, Bruxelles, ça va être la guerre. Logiquement, moi j'arrive à Anvers pour les coups de 16h30, 17h grand mat. Tu vois, c'est des heures où il ne faut pas aller là-bas à 6h06, tu vois. Mais bon, après, tu n'as pas le choix. Bon, malgré ça, j'ai rendez-vous à 19h pour déposer et récupérer. Donc voilà, tu vois, tranquillement, j'ai le temps. Allez, là, on va arriver sur Messancy. C'est la première ville. La première ville juste avant Arlon. En fait, là-bas, ben, ils sont en plein travaux. C'est sur le retour, hein, c'est le bordel sur le retour. Parce qu'en fait, t'as une double voie comme ça. Et ils refont à chaque fois une voie, tu vois. Donc une voie, et après, prochainement, ils feront l'autre voie. Donc du coup, t'as grave du trafic, et vraiment, t'as énormément de trafic sur cet axe-là. Et vu que c'est la route est réduite à une seule voie, ben, je te laisse imaginer un peu le foutoir. Après, de toute façon, t'as pas le choix. Si, t'as le choix, tu peux passer par le Luxembourg. Mais si tu passes par le Luxembourg, ben, faut que tu payes l'eurovignette. Après, c'est pas grand chose, c'est 12 euros, tu vois. Et sincèrement, ça, c'est pas mieux. C'est pas mieux parce que là-bas, c'est tout le temps bouchonné. Mais vraiment, c'est énormément bouchonné. En fait, t'as tous les gens qui évitent cet axe. Cet axe-là, il t'emmène à Metz.
Et c'est pas de l'autoroute, c'est vallonné, tu vois. Et ben t'as tout le monde qui traverse par le Luxembourg. Et aux heures de pointe, à partir de Arlon, c'est déjà bouchonné. Vraiment. Donc sincèrement, même si ça serait gratuit, je pense que je prendrais ici, moi, tu vois, quand même. Vraiment. Après, ouais, des fois quand tu es à 40 tonnes au total, hein, ensemble, plus chargement. Quand tu es à 40 tonnes, bah, vu que ça monte pas mal, ouais, tu es un petit peu emmerdé. Franchement, ouais. Donc des fois, ouais, le temps que tu perds à monter, tu récupères un petit peu, tu vois, sur le plat. Mais bon, vu que c'est tout le temps bouchonné, on va dire que tu vas faire la route plus tranquillement. Après, quand tu es en voiture, tu chipotes pas, hein. L'un ou l'autre vont très bien et c'est gratuit, tu vois. Les deux sont gratos, donc, en voiture. Donc, voilà, à toi de faire ton choix. Mais en camion, voilà, suivant le poids, c'est peut-être mieux le Luxembourg, tu vois, la traversée du Luxembourg. Malgré les bouchons. Bon, allez, on arrive à Messancy. Alors, y a-t-il encore les travaux ou pas? J'y suis passé en début de semaine, il y avait toujours les travaux. Là, tu vois, regarde, là ils ont déjà refait un petit bout, là. Et vraiment, il y avait un sale trou, là, ici. Tu vois, au niveau du tracteur, mais sur la gauche, sur la voie de gauche. Toi, tu le vois, là, le goudron, il est frais. Les mecs font flipper à doubler comme ça. Ce qui traverse les gens. Voilà, c'est bon, c'est pratiquement terminé. Et bon, ils vont attaquer l'autre sens là même. Là, c'est encore coupé. Il n'y a toujours qu'une seule voie. Ça va durer un petit moment parce qu'ils vont perdre une voie. Parce qu'ici aussi, ça mériterait. Surtout un peu plus haut, là. Ah, t'as des trous. Waouh. Là, c'est des trous noirs. Je vous jure, des trous noirs, des puits. Des puits sur la route. Après, c'est normal avec le passage qu'il y a là de camion. C'est tout à fait normal que la route prend cher, tu vois. C'est pas ça le pire, un peu plus haut c'est encore pire, bien dégueulasse là plus haut. Après, voilà, moi j'essaye de chevaucher les trous, mais c'est compliqué. Regarde-moi ça, regarde-moi ça.
Ils ont beau mettre des sparadraps. Hein. Tu vois les taches noires là. Tout ça c'est du sparadrap. Ils viennent avec une espèce de goudron liquide, ils le posent, toi. Et une fois que les camions roulent dessus, ben, ça l'aplatit. Ben, camion, voiture. Hein. Non, c'est pas encore. C'est avant le prochain rond-point, c'est éclaté. Hein. Mais vraiment. Mais ça sert à rien. De toute façon, il y avait pas mal de monde là qui arrivait derrière. J'allais gêner là, franchement, j'allais gêner les automobilistes. Là, j'ai pas envie d'emmerder le monde. Malgré que les gens sont super lents. Voilà, là il est le petit tronçon, mais vraiment défoncé. Il est sérieux lui. Il est sérieux là le total. Regarde là, tous les traits noirs au sol, regarde tous les traits noirs. Ah, il a fait un truc de fou là, le mec en total là, le mec en citerne, il est fou. Je vous jure, il est fou. Ah, le gars s'est cru en Twingo. Et tu vois, quand il y a des trucs comme ça, il n'y a jamais la police, tu vois. La police n'est jamais là. Par contre, toi, tu fais voilà, un petit écart. Un tout petit écart, hein. Ça y est, ils sont tout de suite là, et c'est pour ta pomme. Ah putain, allez, allez. Ah, merci, merci, ma chère. Allez, va, allons, toi. Ouais, mais tu m'étonnes là, c'était lent là, il y avait la grue là. Le bras articulé, je sais pas comment on appelle ça là. Ah, non, on libère le passage, c'est cool. Je vais mettre juste un petit coup de power là, juste de quoi m'engager vite fait là. Allez, allez fonce. Fonce la bête. C'est juste pour me mettre à 90 vite fait, tu vois. Voilà, traverser de mes sensibles vite fait, bien fait. Malgré. Ah, tiens, tranquille. Les gars, je suis arrivé au port. Depuis tout à l'heure là, il me restait 50 km, il me dit que j'ai une heure pour faire 50 km. Alors regardez dans le sens inverse, hein, dans le sens pour sortir du port. C'est violent. Mais attends, il y a un truc encore pire là. Regarde mon GPS,
faire 15 km, j'ai une demi-heure. Wow. Et là, bah, ça continue. Là. Attends, 30 secondes. Voilà. Et ça continue encore, c'est encore bouché. J'ai aucune idée de... J'ai pas checké, hein. Mais je pense qu'il doit y avoir un accident. Putain, j'espère que c'est pas dans le tunnel. Parce qu'il me reste encore un tunnel là, juste avant d'accéder vraiment au port, tu vois. Parce que là, on est aux abords du port, on n'est pas encore dans le port. Ben, déjà, la dernière fois, là, j'étais passé ici. Et dans le tunnel, il y avait un accident. Je sais pas si je l'avais filmé ou pas. Un camion est rentré dans un autre camion à l'intérieur du tunnel. Encore un champion, tu vois. J'espère que ça bouge pas trop. J'ai pas mis le mode stabilisé. Je filme à la main. On verra de toute façon. On va faire la route tranquillement. Et là, alors attends. Je vais juste checker. Ouais, ouais, c'est sous le tunnel. Donc sous le tunnel, je vais pas prendre le tunnel. Je vais contourner. Je vais contourner. En fait, ça bouge à ce niveau-là, tu vois. Oui, 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 oui. Tu vois, c'est ici, là. Juste là où c'est marqué R2. Là, tu passes sous le tunnel. Enfin, sous l'eau, là. Tu passes un tunnel. On va prendre un itinéraire bis. Après, c'est pas bien long comme contournement et... Et de toute façon, ça me fait atterrir directement là où je vais, tu vois. Par contre, voilà, tu fais un petit détour. Ouais, c'est pas bien grave. Ouais, il doit y avoir un accident. Je pense un camion avec un autre camion, hein, normal. T'as pas le droit de doubler ici. On va pas s'amuser à faire les malins. Bah, logiquement, là, voilà. Normalement, je dois prendre ici, moi, tu vois. Normalement, ça, c'est ma route. Normalement, ici. Et comme dit l'autre, hein, tous les chemins mènent à Rome. On va y arriver tout doucement. Voilà, par contre, s'il n'y avait pas d'accident, tu vois, sous le tunnel, ben dans le tunnel, ben là, ça me ferait arriver 6-7 minutes. Vu qu'il y a un bête, ben voilà. Une demi-heure pour faire 15 bornes, n'importe quoi. On va le laisser y aller, lui. Vas-y, mon frérot. Vas-y. Vas-y. Ah, on n'est pas pressé, ça va. J'ai même pas encore mon tarcode là pour rentrer dans le terminal. Et je l'attends depuis tout à l'heure, je l'attends. Je vais attendre de rentrer là dans au 1742 et je vais passer un coup de fil à Christine. Je vais lui dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai pas de nouvelles. Voilà, ça me fait un peu flipper parce qu'il est 17h12. Je l'avais au téléphone il y a 45 minutes. Elle m'a dit qu'elle me rappelait. Bon, après, de toute façon, au pire, c'est pas grave, il y a toujours quelqu'un, tu vois. Même si c'est pas elle, ben, il y aura quelqu'un d'autre. Mais ça ne présage rien de bon. Parce qu'habituellement, ben, quand elle me dit elle me rappelle assez rapidement. Et mes informations, je les ai même d'habitude beaucoup en avance. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, j'attends encore les informations pour déposer et pour récupérer. Apparemment, je dois aussi récupérer au même endroit. Bon,
je croise les doigts. J'espère que ça va rester comme ça. Voilà, faut pas faire le con parce que si tu traces là tout droit, ben là, non, t'es plus dans le bon itinéraire. Là, c'est direction Netherlands. Et nous, on va pas au Netherlands. Nous, on reste en Belgique. En Belgique. En fait, ici, là, la route là, que je prends là maintenant, c'est la route pour aller à un terminal. Je ne sais pas comment on appelle ces terminaux, mais c'est là où, ben là où tout le monde va récupérer les voitures, tu vois. Les transporteurs, les porte-voitures vont récupérer leurs voitures. Et pareil pour les déposer aussi. Et de là, ben, ça part dans des espèces de ferries, je ne sais pas comment on appelle ça. Des navires porte-voitures. Je sais pas comment on appelle un navire qui porte les voitures. Bon, après là le terminal que je vous parle à l'instant là. Le terminal dont je vous parlais là, on l'avait déjà fait. On est déjà passé à côté, on est déjà rentré à l'intérieur. Après, hein, tu fouilles dans les vidéos, tu trouves. Tellement de vidéos, je pourrais pas te donner les titres exacts. La première fois que j'ai pris cette route, franchement, j'ai douté. Regarde l'étroitesse de la route. Regarde, t'as encore les vieux pavés, tout ça, tu vois. Ah, j'ai vraiment douté. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment le droit d'emprunter ces routes-là? Mais bon, après, voilà, quand tu vois ça, là, Ravenport, tu vois. Là, tu te dis que c'est bon. Et de toute façon, il n'y a pas d'interdiction. Donc, tu chipotes pas. C'est que tu as le droit. Mais là c'est l'heure de pointe. Et déjà ce matin, de toute façon, quand je suis parti de chez le client, je savais très bien que j'allais atterrir à peu près entre 16 et 17 heures. Et ben là tu vois, et 17h15, ben, je te raconte pas la misère, mais la misère, frérot. Anvers, Bruxelles, bon, Bruxelles normal comme d'habitude, pas de surprise. Mais on verse. Oh, yo, 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 yo. Et David, vu que le port est gigantesque, t'as deux accès, tu vois, t'as deux voies. T'as une voie pour accéder, ben, celle que j'ai prise. La voie que j'ai prise, ben, c'est la 1000-2000. Tu vois, les quais 1000-2000. Bouché de chez bouché, bloqué. T'es à l'arrêt, hein. Il y avait des moments, j'étais à l'arrêt. Et t'as la voie de 1 à 999, et ben là idem, bloqué, mais c'est les heures de pointe. Oh, par contre, toi qui viens au port, parce que je sais, j'ai des abonnés qui passent de temps en temps ici, tu vois, ils font des livraisons. Et d'ailleurs, même qui font du conteneur, si jamais vraiment tu fais toujours, toujours le même terminal, tu connais pas très très bien, tu vois, tous les terminaux, je vais te montrer un endroit où tu peux venir couper la nuit et c'est certain que tu trouves de la place. Certain, et t'es au calme. Franchement, t'es au calme. De toute façon, au port, partout, t'es au calme, tu vois. Après, oui, t'es au bord de la route, mais c'est des, voilà, c'est des parkings vraiment spécifiques aux poids lourds. Enfin, des parkings, des places de stationnement. Et là, je te garantis, t'es au calme. Et t'auras toujours de la place.
aïe, j'ai même pas capté, tu vois. Il est en train de m'hypnotiser, lui, tu vois. Avec là tous les cercles. Et tous les petits cercles qu'il y a aussi dans les petits tuyaux, dans les grands tuyaux. Je te jure, c'est hypnotique. Bon. Bah déjà ici, tu vois, là sur ma gauche. Là, je suis déjà venu une fois ici, à, il me semble, il était minuit, 1h du matin, j'ai trouvé une place. Donc ça, déjà, c'est cool. Mais après, il y a un autre endroit où vraiment tu es au calme. Et là-bas, c'est certain que tu trouves ton bonheur. Si vraiment, hein, tu as besoin d'une place, hein, bien sûr. Ah, regarde, là, il est 17h20. Et toi, il y a quand même pas mal de place. Là, elle est la différence entre le port d'Anvers et le port de Rotterdam. Rotterdam, ben, tu es obligé de payer pour camper. Et ici, ben, c'est camping sauvage et gratos. Ben, regarde, c'est complètement libre. Complètement libre. Tu vois, il n'y a que des portes-voitures. Enfin, il y en a beaucoup, énormément de portes-voitures. Là, ça, c'est tout nouveau, ça. Là, le bâtiment, il est tout nouveau. Là, maintenant, eux, ici, ils gardent les voitures au frais, tu vois, à l'abri. Alors, regarde, encore des portes-voitures. Regarde, là, je sais pas si tu arrives à voir. Il n'y a que des voitures. Ça vient par train, camion. S'ils pouvaient les envoyer de l'espace avec la navette spatiale, ah, ils le feraient. C'est énorme. Après, je peux pas vous filmer comme ça pendant que je roule. Bon, ça, c'est un parking d'employés, il me semble. Et là-bas, là, regarde, tu as même des bateaux, tu as de tout. Franchement, tu as de tout. Matériel agricole, des navires, des caisses maritimes. Spécial porte-voiture ici. Voilà, ici, là, t'as le port, là, de, enfin, le parking géant où ils déposent les caisses et ils viennent les ramasser. Voilà. Et il y en a à perte de vue. Hein. Là, c'est une toute petite partie. Hein. Enfin, je vous promets, c'est une toute petite partie. Tu vois, là, les Toyota, ça, c'est pour l'Arabie Saoudite, des pays comme ça, tu vois. Alors, des cars, des tout, il y a de tout. Des camions tout au bout. Il y a de tout. Des bus. Ben, ça va vite quand tu viens ici aussi. Ça va vite. Ah, même truc agricole. Truc pour les paysans. Ah, ça. Tu sais, Anvers. D'Anvers, ben ça part et ça vient du monde entier. Bon, nous, on arrive bientôt là à l'emplacement que je vous avais parlé. Donc, ben déjà, tu te poses ici, là. Ici, il y a toujours de la place, ici. Franchement, il y en a toujours. Voilà. Et le soir, il n'y a pas tant de... Bon, par contre, c'est pas terrible, vu qu'ici, là, t'as une gare, là, tu vois, une espèce de gare. Les trains, quand ils bougent, toi, ça siffle. J'ai pas le bruit de la ferraille là, tu vois. Là, c'est désagréable. Mais bon, après, voilà, ça pousse. Ça passe pas non-stop, tu vois. Mais ici, vraiment, il y a de la place.
Ah bah regardez, voilà, ça vient de s'allumer. Voilà. Tu vois. Vient de s'allumer. Adiblu défectueux. 9h-19h. Il m'avait déjà fait ce message là il y a 2 semaines. Et au bout de 6h, il s'est éteint. Et là, maintenant, c'est rebelote. Ça fait flipper. Des messages comme ça font flipper. Après, c'est orange. Et dans 19h, c'est rouge. J'aime pas ce message. Je n'aime pas ce message. Bah, je sais, avec ce message-là, je sais si je pose le camion, ils vont me le garder pendant une semaine ou deux. J'ai un collègue pour une bricole, ils l'ont gardé 3 semaines. Et ils lui ont donné un truc, mais éclaté, hein, éclaté. Vraiment, le gars avait les boules, tu vois. Il était énervé pendant 2-3 semaines. Il n'était pas content. Et bien sûr, il a tout à fait raison. Voilà, putain, t'as toutes les affaires que moi j'ai. Bref, voilà, ici t'as de la place, tu vois. Voilà, à partir de maintenant, ici t'es au calme. Parce que là, les gars qui viennent d'ici, là, à partir de là où je suis, ils sont obligés de freiner, de ralentir, tu vois, parce qu'il y a un rond-point. Donc ici t'es au calme. Ici t'es tranquille. Tu vois, les véhicules passent pas trop vite. Je peux pas me servir de mon ralentisseur là, je vous ai à la main droite. Donc là en face, c'est là où je dois aller, là où je dois me rendre. Mais d'abord, il faut passer au bureau, à l'enregistrement. 17h42. Là, tu les vois, les cavaliers là, les cavaliers jaunes en train de se démener là, ça bosse. Alors déjà, c'est bon signe que ça bosse, c'est bon signe. Et bon, si je vois beaucoup de cavaliers, ça veut dire qu'il doit y avoir beaucoup de monde. Non, peut-être même pas. Donc là, tu vois, là c'est la route là pour accéder au parking. Il n'y a pas grand monde. Ça me paraît cool. Mais regardez là ces messages à la con. Regardez. Les brigades nationales, droit international. J'arrête pas de recevoir des mails du genre là. Ben vous les recevez aussi, je pense. Hein, répondez vite. On a retrouvé. On vous a retrouvé dans une enquête pédopornographique. Commissaire Jean Moulin, des conneries comme ça là, tu vois. Avant que ça ne se sache, voilà, ouais. Répondez avant que ça ne se sache. Ben, mais n'importe quoi, les gars, putain. Bon, on les reçoit tous, hein, ces putains de mails. Et t'as beau les mettre dans les spams, ben non. Ils continuent à te rappeler. Enfin, à te rappeler, à t'envoyer des mails. Et ça là, ici, à droite, ça c'est la sortie du 1742. Il y a 2 camtars. Et là, sur la gauche, là, tu as l'entrée. Sur la gauche, il n'y a même pas un seul camion là, tu vois. Il n'y a pas un seul camion. Si, un camion qui attend. Et lui, il va pour déposer. Il a une boîte sur le châssis, donc il va pour déposer. Ouais, donc cool. Bon, cool, non, pas cool, vu que j'ai pas encore mes infos moi. Je peux pas encore rentrer à l'intérieur. Mais c'est pas grave. Il reste 1h52. Il reste 3 heures de volant. Et je vais me poser à l'intérieur. Enfin, je vais aller à l'entrée. Je vais me poser. Je vais faire ma petite coupure. Je peux couper 45 minutes. Au
pire, je fais une 15 minutes. Voilà. Et après, je trace, je roule au max. 3 kilos. Et comme ça, demain, bah, demain, je fais mes petits 300 km, fin de journée, tranquillement. Et je peux choisir ma place. Et demain, j'ai pas beaucoup à rouler. Je vais pouvoir être tranquille. Il n'a pas l'air d'y avoir du monde. La Grimaldi Lines. Ça, c'est un porte-voiture, ça. Lui, il fait de la voiture, tu vois. Palermo. Ouais, il n'y a pas grand monde, ça va. On a tous les mêmes boîtes, hein, je vous jure. Ma boîte, c'est de la couleur, et regarde la couleur des deux, et derrière encore, tu vois. On a tous du MSC. Sur le parking, il y en a encore deux ou trois des MSC. MSC, je crois que c'est Méditerranéenne Shipping Company ou Cruise, là, je ne sais plus. Et c'est Méditerranéenne Shipping, ouais, quelque chose, je ne sais plus. Ah, c'est pas compliqué, hein, c'est facile à trouver. Tu tapes dans ton moteur de recherche MSC. Putain. Je suis allé, putain, il y avait le feu rouge. Ah, c'est pas sérieux. Je fais le con, là, je fais le con. Ah, filmer, discuter, rouler en même temps. Et toi. Je vais appeler Christine, je vais voir avec elle là ce qu'il en est. Et ben je vous récupère après. Mais là tout de suite. Bon les gars, j'ai reçu mon mail. J'ai passé un coup de fil. En fait, ils sont plantés. C'était pas pour le 1742, c'était pour le 1718. Apparemment, le PET, il a une incidence sur les deux sens. Parce que là, je suis pas loin de la sortie du port. Je suis obligé de passer par là pour aller au 1718. C'est pas loin, hein. En vrai, là, j'ai 600 mètres à faire et c'est bon, j'y suis, tu vois. Alors, regarde. Regarde ça. C'est jusqu'au bout, jusqu'en haut du pont. Ça va jusqu'au tunnel, en fait, jusqu'à la sortie du port. Ah, journée compliquée. Hein. C'est ça, dès qu'il y a un pet ici, ça fait mal. Dès qu'il y a un pet. Hey, t'en ailles. Après, je vous le dis sincèrement, t'as des chauffeurs. Et j'en vois, hein, moi ici de tout. Et en Belgique en général, tu les as aussi en France. T'as des mecs qui n'ont rien à faire derrière un volant. Mais vraiment, hein, rien. Ils n'y connaissent rien. D'ailleurs, vous le verrez là un petit peu plus tard avec la mésaventure qui est arrivée là à mon collègue. Big up à toi, Frenchy. C'est mon collègue. On n'est plus collègue, mais c'est toujours mon poteau, tu vois. Ben voilà, ce genre de chauffeur n'a rien à foutre sur les routes, franchement. Hein. Ouais, c'était un gars de l'Est. Hein. Je vous spoil un petit peu. Il lui est arrivé une dinguerie avec un chauffeur de l'Est.
Mais vous inquiétez pas, elle arrive, ça arrive bientôt là. Ah, cette fois-ci, oui, c'est un long vlog. Voilà, ça va vous changer là des 25 minutes là que je vous mettais d'habitude. Et voilà, tu vois. Donc ça va pas tarder. Ne vous inquiétez pas. Putain, personne ne laisse passer là. Putain, ils veulent pas laisser passer. Et moi, je vais tout droit. Moi, je vais pas à gauche, tu vois. Putain, ah, ils font chier. Bon allez, avant que je commence à dire des saloperies, je vous récupère après. Les amis, j'ai vraiment les boules. Je dois prendre la route, tu vois, là où il y a le camion là, blanc qui passe là. Voilà, juste là, tout au bout, il y a un rond-point. Je dois prendre la petite rue là qui descend là-bas. Là où il y a le camion qui va passer là, entre les deux, tu vas voir, voilà maintenant. Et je dois me rendre ici, tu vois. En fait, c'est là, tu vois, là où je dois aller récupérer. Mais il faut que je fasse tout le tour, tu vois. Et je suis obligé de me taper ça. Donc je suis pas rendu. Je ne suis pas rendu. Et je vous promets, je suis sûr que c'est un mec de l'Est, il a fait une dinguerie. Certain, certain. Ah, les gars roulent comme des fous dans les tunnels, tu vois. Ils allument même pas leur feu. En plus, là, le tunnel, dans ce sens-là, pour sortir du port, c'est limité à 100, tu vois. Donc en camion, tu peux rouler plein gaz. T'as une belle descente. Voilà, les mecs roulent à 100. Tu vois, et t'as certains camions, ils roulent vraiment à 100. Tu vois, ils sont régulés à 100. C'est comme ça. Bon, donc moi, là, j'en profite pour faire une petite coupure. Hein, voilà, en espérant que ça tienne. Voilà. Normalement, ça reste en coupure. Voilà. Alors là, tac, je me remets en pause et ça reste à 39. Donc voilà, tranquille. Encore 9 minutes et j'aurais déjà gratté ma coupure d'un quart d'heure. Normalement, t'as pas le droit de le faire, mais allez, hein, pas chipoter. Hein. Regarde comment ça roule, c'est incroyable, incroyable. Voilà famille, là, il me reste 12-13 km, j'arrive chez mon client. Bon, par contre, j'ai rendez-vous demain matin. Là, je pourrais rentrer à la maison, mais je vais pas rentrer à la maison parce que voilà, comme je vous avais expliqué, tu vois, par rapport au défaut moteur, en fait, le défaut ne s'efface plus. Donc, pour assurer le coup, je vais camper chez le client. Demain matin, il me restera 2 minutes pour aller chez le client, tu vois, vraiment 2 minutes, hein, littéralement. Tu vois, j'ai pas envie de tenter le diable. Comme ça, une fois que j'aurai vidé, je peux retourner à Strasbourg, safe, tu vois, en toute sécurité. Je sais que le camion va pas se mettre en défaut jusqu'à Strasbourg, même au-delà encore. C'est pour ça que si je rentre à la maison, ben, ça va me faire gratter 2 heures de roulage, tu vois, 2 heures de conduite gratuite. Et 2 heures de conduite gratos comme ça, c'est pas bon avec le défaut que j'ai. Parce que le défaut, en fait, c'est en heure, tu vois. C'est en heure de moteur qui tourne. Là, je sais pas si... Ouais, logiquement, t'as compris, ouais. Donc, c'est pour ça, je préfère gratter 2 heures. Bon, je viens de prévenir mon patron. Il m'a dit, écoute, demain, on va arranger ça. Demain, c'est vendredi, tu vois, demain, fin de semaine.
logiquement, je devrais finir assez tôt, pour les coups de midi, 13h. Bon, maintenant, j'espère. Bah, logiquement, hein, logiquement, ça, c'est pas des trucs que le mécano peut réparer. Là, il est obligé d'aller faire un truc chez Scania, obligé, obligatoirement. Donc, si tout va bien, demain, bah, ça va être direct sur Scania, je dépose le Camta. Et je peux le récupérer soit lundi matin ou soit samedi dans la journée. Alors, on verra. Mais bon, logiquement, je devrais le récupérer la semaine prochaine sans souci. J'ai discuté avec mon ancien patron, tu vois, par rapport à ce problème. Et il m'a dit, écoute, c'est quoi ça, c'est rien du tout. C'est juste une petite pièce à changer. Il y en a pour même pas une heure. Un coup de clé de 17 et c'est réglé, tu vois. Ben deux coups, un coup démontage, un coup remontage, c'est une vis, hein. Je sais plus exactement ce que c'est, mais en tout cas il m'affiche défaut à 10 clous. Là il n'y a plus le choix, donc direction Scania demain tranquillement. Bon, après de toute façon il en a besoin, il est malade là, le vieux, là, la vieille bête, elle est un peu malade. Ça arrive, de toute façon ça arrive, tu vois, c'est comme ça. Non, il a fait, il fait toutes ses vérifs là, des 30 000, tu vois. Tous les 30 000, il fait un tour chez Scania. Hein. Enfin, non. Non. Là, je vous raconte une connerie. Là. Parce que là, la dernière fois qu'il fallait faire une révision, voilà. Eh ben, la dernière fois, c'est le mécano chez nous, tu vois. Et moi, je le soupçonne. Ben d'avoir juste parce qu'il t'affiche un message, tu vois, t'as un message sur le tableau de bord comme quoi il faut qu'il aille en révision tous les 30 000, la révision des 30 000. Et moi je soupçonne mon patron. Après hein, je vous dis, moi je vous l'ai toujours dit, je vous cache rien, tu vois, je vous cache rien, moi je vous dis la vérité, voilà, je vous parle cache, tu vois. Et ben moi je soupçonne mon patron d'avoir juste effacé le message, tu vois, il a pas fait la révision des 30 000. C'est du 30 000, ça va, tu vois, faire 30 000 de plus. Sincèrement, hein, moi j'en suis sûr et certain. Sûr et certain. Attends, voilà, tu vois. Donc, message à mon patron, mon frérot, si tu vois la vidéo, voilà, hein, c'est ce que je pense. Dis-moi si j'ai tort ou pas. Après, voilà, tu vois, je vais t'expliquer. Là, maintenant, je vous parle à vous, les amis. Je vais vous expliquer, tu vois. Nous, on travaille dans le transport. C'est pas. Je travaille pas dans le domaine, moi, du secrétariat où il faut faire de la lèche à son patron ou des trucs comme ça de peur de perdre sa place. Toi. Vraiment, hein, je vous assure. Hein. Toi, nous, c'est un milieu de bonhomme, malgré qu'il y ait de plus en plus de femmes, tu vois. Mais c'est vraiment un milieu de bonhomme, tu vois. C'est-à-dire. Ne prends. Quand je dis ça, ne prends pas ça dans le sens de la misogynie, tout ça, tu vois. Non. C'est dans le sens où ben, tu peux dire les choses, tu vois. Quand il y a un souci, quand il y a un mal, pour pas qu'il y ait de malentendu, il faut dire les choses. Tu vois, avec ton patron ou avec ton responsable d'exploitation ou des trucs comme ça, tu vois. Avec le haut de ta hiérarchie, tu peux parler, tu peux dire les choses. Donc, voilà, tu vois, ça sert à rien de ruminer, tu vois, tu restes dans ta cabine tout seul et tu dis, je suis sûr, ils font pas comme ça, ils font pas ça comme ci, tu vois, non. Passe un coup de fil, voilà, tac, tu vois, tu parles, hein, faut le dire. Quand t'as un truc sur le cœur, faut le dire, vraiment, faut le dire. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où je veux dire que c'est un milieu de bonhomme, tu vois. On se cache pas les choses, on fait pas de lèche au boss. Ah, le boss, je crois qu'il est plus jeune que moi. Je vous dis la vérité, je pense qu'il est plus jeune que moi, tu vois. Enfin, plus jeune. Il est moins âgé que moi, plutôt. Après, c'est pas une raison, hein. Je le respecte. Hein. J'ai le plus grand des respects pour lui, ça reste mon patron, tu vois. Et vraiment, ça reste mon patron. Mais voilà, quand il y a un truc à dire, ben, faut le dire. Vraiment, faut pas hésiter. Donc voilà, les amis. Bon, moi je vais arriver là tout doucement. Bon, le temps que j'arrive,
vous avais dit que je vous mettais la vidéo, en tout cas l'audio de mon collègue. C'est pas la peine que je vous mette la vidéo parce que c'est un écran noir, tu vois rien. Il fait nuit noire, mais total, tu vois. À un moment, juste là, tu vois une tache bleue qui passe, mais sans plus, tu vois. Vraiment pas plus que ça. Ah, lui, là, qu'est-ce qu'il dit ? Putain, voilà, enlève-toi, là. Bref. Je vous mets la vidéo de suite, là, les amis, en espérant que une petite bricole comme ça, tu vois, ne vous arrive pas à vous. En tout cas, ben voilà, il n'y a rien de méchant, mais bon, quand même, ça emmerde tout le monde. Donc, allez-y, éclatez-vous. Allez-y, je vous laisse la vidéo tout de suite. Non, 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 non. Hey, chef, il est 3h, 3h du matin, tac, tac, tac. Oh, t'abuses. Mais c'est pas... Pourquoi t'es venu te mettre là? Mais pourquoi t'es venu te mettre là? Mais je m'en fous, il est 3h. 3h du matin, 3h. Regarde. 3h, 3h. Comme ça? Non, chef, non. Pourquoi tu tapes pas là-bas? Va demander là-bas. Pourquoi tu viens me casser les couilles à moi? C'est toi qui es venu te mettre là. Mais pourquoi tu tapes pas? C'est pas moi qui te bloque. C'est pas moi, non? Eh ben pourquoi tu tapes pas là-bas? You speak English? No English. Russian. Chut-chut English, animal. Non, 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 non. Mais t'es un fou, toi, tu réveilles les gens à 3h du matin. Call police, hein. Stop, please. Stop, stop, please. Stop. Ok? Ok ou non? Pourquoi 3h, 3h du matin? Casse les couilles, tu vas me casser les couilles combien de temps, fils de... Bon voilà, maintenant dites-moi en commentaire là ce que vous pensez de cette situation, franchement. Non, si ça vous arriverait à vous, comment vous réagiriez? Comment vous réagiriez? Ouais, comment vous réagiriez? Franchement, dites-moi en commentaire les amis. Ouais, je suis super impatient là de connaître un petit peu dans quel état d'esprit vous prendrez un peu ben, le fait qu'on vienne vous réveiller à 3h du matin, tu vois. Et un type, le gars a insisté, hein, j'en ai discuté encore hier avec mon collègue, le type a insisté, il a insisté pendant 5 minutes, tu vois, il a toqué vraiment à sa porte pendant 5 minutes, tu vois. C'est un truc de ouf, hein, et voilà, ben... non, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Vous avez lu en plus le message qu'il m'a envoyé derrière. Non, non, non. Moi, je l'ai dit. Hein. Franchement, moi, ouais, je l'aurais tapé sur la gueule. Sincèrement, je l'aurais tapé dessus, gars. 3h du matin, il te réveille comme ça à 3h du matin. Mais c'est terminé. Tu ne dors plus. Tu ne dors plus. C'est plus possible. En plus, avec tu vois, le coup de gueule que tu vas lâcher. Et même si jamais tu lui tapes sur la gueule, tu vois, t'as l'adrénaline qui monte. Hein, l'adrénaline, elle te tient éveillé, c'est fini. Hein, c'est comme 10 shots de café, tu vois, des shots, hein, pas de l'expresso, tu vois, c'est du concentré de café, 10 Red Bull. T'as bu 10 Red Bull, tu vois. Alors, c'est du n'importe quoi. Bon, dites-moi en commentaire, ouais, je suis impatient de voir ce que vous allez m'écrire. Bon, du coup, moi, les amis. On se retrouve demain, enfin demain. Voilà, ça y est, je vais camper. Et je suis juste devant. Voilà. Le client est juste devant moi. Et demain, on se retrouve mis à quai, tranquillement. Et on clôturera la vidéo là-dessus. Voilà, les amis. Allez, à tout de suite.
Ça y est, la famille. Je suis à quai. Ils sont en train de vider. Je suis à l'heure. Je suis arrivé hier. J'ai campé ici chez le client. J'ai fait 15 heures de coupure chez lui tranquillement. Tu vois, voilà. Je suis réveillé depuis très très tôt. Bref. Moi, il me reste pas énormément de place là dans la carte SD, donc je vais pas pouvoir poursuivre le vlog au-delà de ça. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur une des prochaines vidéos. Pas la prochaine, mais sur une des prochaines vidéos, je vous tiendrai au courant des avancées de du traitement de la bait, parce que là, voilà, vraiment, là, ça va pas. J'ai 2h, 12h là maintenant, il m'affiche le truc là, tu vois, le message d'alerte. Donc aujourd'hui, impérativement, il va falloir régler ça. Donc, ouais. Et je vais essayer de régler. Enfin, je vais essayer. Non, je vais faire mon possible pour que, voilà, il passe chez Scania et que lundi, je puisse recommencer ma semaine tranquillement, tu vois, en toute sérénité. Pas dans l'optique de savoir que je vais tomber en panne. Écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, pouce en l'air, partage, likeage, abonnage. Maintenant, tu connais la musique. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Peace.